qu'un cauchemar. Ou bien une vision chamanique. Aucune éclipse. Enfin, pas encore. Kong, on t'a déjà perdu une fois et ce sont les miracles de la science qui t'ont ramené à la vie. Mais sauras-tu ce que tu as à faire quand le moment sera venu? Chandar! Il faut que nous allions jusqu'à l'ancien temple de mes ancêtres. C'est là que je saurai si la prophétie du destin plane au-dessus de nous. Allez, on y va. Tu y es, Ethan? On va voir si tu es vite celui-là. Tiens, esquive celui-là, Jason. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Viens vite. Ah oui, apparemment, il n'y a pas de temps à perdre. Je peux peut-être arriver à attraper l'ourson, mais la mer est déjà trop loin. Bon, attends, je vais essayer de trouver une branche pour pouvoir les ramener sur la berge. Attends-moi ici, hein. Allez, mon gros, faut arriver à tenir. On va te sortir de là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dan! Dépêche-toi, Dan! Dan! Calme-toi, mon gros. Si tu te débats, ça va être pire. Encore que je ne sais pas ce qui peut être pire que ça. Allez! Kong! Aide-moi, Kong! Trop tard, tant pis. Je vais être obligé d'activer le cyberlien. J'espère que ça va marcher. Séquence fusionnement engagée! Attention, j'arrive, mon grand! Ah oui, d'accord. Bon, eh ben, il n'y a plus besoin de ça. Salut, Kong. Où est passé Jason? Ah oui, ça y est, tu as fait le truc de la fusion, hein, c'est ça? Où sont passés les ours? Eh ben, tu t'en tires pas mal, mon petit bonhomme. Allez, t'inquiète pas, ça va aller, mon gros. C'est oncle Tan qui va s'occuper de toi, maintenant. Oui, enfin, je veux dire, c'est nous qui allons nous occuper de toi. Dis donc, Pépère, tu voudrais pas inverser le processus de cyberlien et me renvoyer ton frère? Eh ben, dis donc, mon vieux Jason, tu sais que t'as vraiment une sale tête. Ah oui, mais j'ai bien failli y rester. Regarde, je crois que la mère du petit ourson n'a pas eu autant de chance. Non, en effet. Mais c'est tout de même bizarre, cette mare de goudron. Bizarre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je mettrai pas ma main au feu, mais je pourrais jurer que quelque chose m'a attiré vers le fond. Bizarre, non? Oui, très bizarre. Mais je suis sûr d'un truc, c'est que si je n'avais pas activé le cyberlien et fusionné avec Kong, la chose qui est là-dedans aurait réussi à me piéger. Non, ça a commencé. L'éclipse de soleil dont parle la prophétie. Ah.
Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? T'énerve pas, frangin, c'est qu'une éclipse. T'as pas à t'inquiéter, je t'assure. Dis donc, Jason, je me demande si c'est pas comme ça que les dinosaures ont disparu de la planète. Kong ! Il faut que tu viennes avec moi ! Il faut qu'on parte, immédiatement. Attends, Lua, on a besoin de lui aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Seuls les chamans de l'île et Kong ont le droit de savoir. Ah, très bien, eh bien, garde tes secrets, mais nous, on garde Kong. On a un gros problème à affronter ici. Écoute-moi, Jason, ce que je veux faire avec Kong est nettement plus important. Je te croirai quand tu m'auras fait confiance en me disant de quoi il s'agit. Sache que les premiers devoirs de Kong doivent aller à son domaine et il est de ma responsabilité en tant que chaman de le guider. Kong, je suis sûre que tu ressens qu'il se passe quelque chose d'anormal. Bah, évidemment qu'il le ressent, enfin, il y a des mares de goudron qui apparaissent de tous les côtés. Reste en dehors de tout ça, Jason. Kong sait très bien quels sont ses devoirs. Oui, il va nous aider, Tan et moi, à porter secours aux pauvres animaux piégés. Il n'en est pas question, Jason, tu ne mourras pas avec tes histoires de sauvetage. L'avenir de cette île, et très probablement aussi celui de ton monde civilisé, nécessite que Kong vienne avec moi tout de suite. Force est de constater que c'est vrai. Le puissant Kong est effectivement ressuscité. Tout comme nous allons l'être très bientôt. Bon, arrête ton numéro, Lua. Tu crois que le fait d'être chaman te rend meilleur que nous tous ? Oh, et toi, tu crois que c'est parce que ta grand-mère s'est servie de son génie pour rendre une nouvelle vie à Kong que tu as des droits sur lui ? Bien sûr que non, allons, mais c'est mon ADN qui l'a fait vivre. Il y a entre lui et moi un lien que tu n'auras jamais, et c'est ça qui t'énerve. Ah, ce n'est donc plus le Kong que nous avons connu. Celui-ci est bien mieux. Va maintenant, Sycophis. Va et ne me déçois pas. Rassurez-vous, votre majesté. Ah. Vous autres mortels pathétiques, vous ne changerez donc jamais. Je vous tiens au creux de ma main et je vais faire de vous tout ce que je veux. Kong, il faut que tu viennes avec moi, j'insiste. C'est ton devoir en tant que protecteur. Une petite minute, frangin. Depuis quand est-ce que c'est Lua qui donne les ordres ici ? Depuis que je suis le chaman de Kong. Là-dessus, elle n'a pas tort. Ah oui, mais moi je suis son frère et désolé, mais la famille, ça passe avant tout. Là-dessus, il n'a pas tort non plus. Ne te fie pas à lui, il ne sait pas ce qu'il dit. À toi de jouer, écoute-moi bien, un grand danger est là. Ne le vois-tu pas ? Tu protèges ceux qui sont là. Viens avec moi, on va tous les sauver de là. Décide-toi, décide-toi. Kong, Kong, tu es ton propre chef, elle doit pas t'influencer. Reste là, là où sont tes repères et aux côtés de ton frère. Pourquoi t'en aller ? Les bêtes, faut les sauver. Ne quitte pas mon camp, tous deux nous sommes parents. Décide-toi, décide-toi. Il te suffit de laisser ton frère te montrer la voie. Décide-toi, décide-toi. Lua est moins proche qu'on est, toi et moi, alors décide-toi. On a une mission, il faut l'accomplir. Aide-moi à sauver la pauvre faune. Il faut me croire, ton île va disparaître, anéantie comme par un cyclone. Kong, 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 tu es le protecteur, garant de notre bonheur. Non, 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 Lua n'y comprend rien, reste donc parmi les tiens. Pourquoi ne vois-tu pas que tout ce qu'il dit est faux ? Ce n'est qu'une nana qui te donne des ordres idiots.
juste là pour m'aider. Allez, décide-toi. 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 N'écoute pas ces suppliques et reste avec moi. Décide-toi. Décide-toi. Travaille pour le bien. Reste parmi les tiens. Elle ment, je le maintiens. Alors décide-toi. J'ai l'impression que vous avez perdu tous les deux. Oh, mais enfin, vous êtes là à vous disputer. Vous ne pouvez pas lui en vouloir, voyons. Le véritable Kong connaît très parfaitement son devoir. Je n'en viens pas que tu oses dire ça. Oh, j'ai l'impression que ça ne se réchauffe pas entre vous deux. Oh, mais c'est la vérité. Ce n'est forcément pas le vrai Kong et son attitude le prouve. Calme-toi un peu, Lua. Je crois que tu l'as vexé. Et maintenant, il va plus vouloir nous aider ni l'un ni l'autre. Ah, laisse tomber, mon gros. Je pense que ton grand copain veut rester seul. Ah oui, là, ça ne fait aucun doute. Tu sais, Lua, je trouve que parfois tu manques vraiment de... Et toi, tu es particulièrement têtu, surtout quand tu as tort. Tiens, dis donc, qu'est-ce que tu dirais que je t'apprenne à te battre, hein? C'est toujours bon de savoir se défendre, surtout dans ce coin si dangereux. Alors, il y a d'abord cette vieille prise qui est... parfaitement inutile avec toi. Je sens que cette journée va être marquée par la souffrance. Nous avons trouvé le plus puissant. Prosternons-nous devant le roi Kong, notre seigneur perdu depuis si longtemps. Majesté, nous sommes vos humbles serviteurs. Moi, je suis Lord Sycophis, le conseiller royal. Et lui, c'est mon sous-fifre mignon. Nous sommes venus sur ordre de notre reine pour vous demander de venir reprendre la place qui vous revient sur le trône du royaume d'Atlantis. Atlantis ? Je te jure que c'est vrai, et l'éclipse le prouve. Mais c'est ridicule, des éclipses, il y en a souvent. Pas comme celle-ci. L'alignement précis des planètes devant le soleil fait pivoter le cadran cosmique. Le cadran ? Oh, Lua, t'aurais pas pris un coup de soleil des fois ? Non, mais je suis inquiète. Atlantis est sur le point de détruire cette île, et peut-être même le monde tout entier. Et c'est moi qui étais normalement censée empêcher ce désastre de se produire, avec l'aide de Kong. C'est sérieux, ce qu'elle dit ? Mais qu'est-ce que Kong devait faire dans l'histoire ? Je t'en ai déjà beaucoup trop dit, et maintenant il n'y a plus de temps à perdre. Dis-nous tout, ou on te laisse te débrouiller toute seule. Très bien. Kong, le premier Kong, était roi d'Atlantis. Et aujourd'hui, avec l'éclipse, Atlantis peut peut-être ressurgir, à moins qu'on puisse empêcher la course du soleil de faire une révolution complète. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Chandar! Vite, le temps presse. Il faut se rendre très vite au temple de mes ancêtres. À une époque, vous étiez un souverain puissant, pas d'une petite île comme celle-ci, mais de l'empire le plus étendu et le plus puissant de tous les temps. À Atlantis, vos sujets vous vénéraient comme un monarque de haut rang, et non comme un simple esclave du devoir, recevant des ordres d'humains insensibles. Venez avec nous maintenant, votre vénérée grandeur. Vous allez récupérer votre trône. Qu'est-ce que Kong pense de tout ça ? Il n'est pas au courant.
Mais il fallait peut-être le lui dire. Notre Kong est encore très jeune. Je ne savais pas du tout comment il réagirait en apprenant qu'il était un roi. Il faut que tu comprennes que le premier Kong était leur roi. Mais c'est pourtant lui qui a aidé à faire sombrer Atlantis pour sauver le reste du monde de son emprise malsaine. Ah oui, j'imagine que ça l'aurait pas rendu tellement populaire. Votre grandeur, pourquoi rester ici, où chacun pense que vous êtes inférieur à ce qu'est le vrai Kong? Nous savons que vous êtes plus grand. Vous êtes tout ce qu'il était, mais vous êtes tellement plus encore. Donnez le maximum. C'est vraiment trop dur. Ah non, il n'y a que Kong qui soit suffisamment fort pour faire bouger ça. Ça va, j'ai compris. T'avais raison. Essayons de trouver Kong. C'est bien, votre Altesse. Retournez à votre glorieux royaume, dont vous êtes le seul souverain. Il est évident que si vous ne vous sentez pas assez fort pour prendre des décisions et que vous avez besoin d'une bande de gamins pour vous dire comment agir, cela signifie peut-être que vous n'êtes pas vraiment un roi, finalement. Tu as entendu sa gracieuse majesté? Elle veut que nous la conduisions chez elle, à Atlantis. C'est pas bon pour nous, ce genre de truc. Où est passé Chandar? Oui, c'est bizarre. Le gros chat était juste derrière nous il y a à peine 2 secondes. Regardez, il n'y a que Kong pour laisser ce genre de traces. Ouais. Kong, on a besoin de toi, mon grand. Eh non, attends, ne te sauve pas, il faut qu'on reste tous ensemble. Non, attends, allez, reviens ici, petit nounours. Il a flairé la trace de Kong, venez. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les traces de Kong s'arrêtent ici. C'est incompréhensible. On dirait qu'il est entré dans cette fosse à goudron, c'est bizarre. Hé, venez jeter un coup d'œil. Ces drôles de traces semblent au contraire sortir de la fosse à goudron. Alors tout a déjà commencé. Et tout ça c'est ta faute. Si tu n'étais pas venu t'en mêler, Kong n'aurait fait que son devoir. Ah oui, ben t'avais qu'à tout nous raconter depuis le début. Vous êtes en train de ressasser là, faut pas traîner les enfants. Nous avons... Nous avons de sérieux problèmes. Atlantis va ressurgir. Ça y est, je te tiens. Allez. Ah, c'est pas vrai, là, ça va mal, hein, ça va vraiment très mal. Ah. Hey, vite, fiche le corps, Jason. Tu n'avais pas tort. C'est pas du goudron ordinaire, ça. Dan, attrape ma main. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les forces du mal qui ressurgissent, elles aussi. Lua! Oh.
Ron. J'arrive, Lua. J'arrive. Du palais devrait bientôt nous accueillir. C'est votre garde personnel officiel. Au fait, je ne vous ai pas dit que la reine Reptila avait prévu une réception royale en votre honneur. Les rebelles. Ouf. Sauvez-moi, majesté. Sauvez-moi. Ah, c'est une embuscade des rebelles. Mignon, va chercher la garde royale. Hein, la quoi? Regardez, c'est Kong. Il est enfin revenu. Oui, il est revenu. Possible. Mais il faut nous méfier, parce que si celui-ci est vraiment l'ancien Kong, comment se fait-il qu'il soit avec le serpent de la reine? Il va falloir vérifier si le grand singe est revenu en tant qu'allié ou en tant qu'ennemi mortel. Votre grandeur, ils vont nous attaquer! Il faut que vous écrasiez ces rebelles sournois! Écoute-moi, Kong! Je m'appelle Geralt, je suis le chef de la rébellion. Remets-nous ce traître de serpent et nous saurons de cette façon si tu es venu en paix. Votre majesté, il ne faut pas faire confiance à ces rebelles. Regardez, leurs armes sont toutes pointées sur vous. Attaquez-le! Détruisez-moi tous ces rebelles! Tout le monde à couvert! Vous et tous vos rebelles, c'est terminé! Maintenant que la reine possède Kong à ses côtés! En effet, nous devons admettre que ce singe ressemble à notre ancien Kong, mais on se rend bien compte que ce n'est pas le vrai Kong. Félonie! Le vrai Kong aurait su qui étaient ses vrais amis. Je vous fais mes plus humbles excuses pour cette situation déplaisante, votre grandeur. Mais comme tous les grands royaumes, Atlantis aussi possède ses traîtres. Lua, Tan.
Oh, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Lua, réveille-toi. Oh, où est-ce qu'on est tombé? Oh, sur un tas d'ennuis, je crois. De toute façon, c'est pas nouveau. Oh. On ne vous veut aucun mal. C'est évident, vous êtes nos prisonniers. Qui êtes-vous? Nous sommes à la recherche de l'un de nos amis, une masse énorme. Vous l'avez forcément vu, c'est difficile de le manquer. C'est un gorille géant. Zilla, si ces gens se présentent comme des amis de Kong, ils sont donc du même coup nos ennemis. Non, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Kong de la légende était bon et loyal. Celui qu'on a vu tout à l'heure est méchant. Il doit être détruit. Moi, je suis Lua, le chaman de l'île de Kong. Le nouveau Kong est peut-être jeune, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas méchant. Absolument pas. Alors, c'est vraiment un très bon copain. Ce singe a fait alliance avec notre oppresseur, la reine Reptila. Mais comment pourrait-il connaître cette reine? Il n'est encore jamais venu ici auparavant. Moi, je pense qu'ils l'ont manipulé pour l'attirer vers eux. Oui, il y a de fortes chances, mais... Mais et pourquoi ils font ça? Pour refaire l'union d'Atlantis. Comme vous le voyez, nous sommes des gens très différents, tous divisés en factions guerrières. La reine sait qu'avec Kong à ses côtés, tous les citoyens d'Atlantis se rallieront à elle. Si Atlantis réussit à tendre vers plus de liberté, Reptila en profitera pour conquérir notre monde. Exactement comme elle voulait le faire quand le premier Kong l'en a empêché. Il faut arriver à retrouver Kong et à le ramener parmi nous avant que l'éclipse ne se termine. Nos espions déclarent qu'on l'a emmené au palais pour le couronner. À la fin de cette journée, le nouveau Kong sera sacré roi d'Atlantis. Et si on en arrive là, rien ne pourra plus arrêter Reptila. Mais il faut qu'on arrive à lui faire comprendre que la reine se sert de lui. Vous ne réussirez jamais à pénétrer dans la citadelle de la reine sans quelqu'un qui en connaît les secrets. Et s'ils nous ont menti? Dans ce cas, ils ne sortiront pas d'ici vivants. Ah. Kong, nouveau roi d'Atlantis. Soyez le bienvenu, Majesté. Votre trône vous attend. Comme je vous l'avais promis, notre roi est revenu. Les guerres vont donc cesser et Atlantis va se réunifier. Et à partir de ce jour de gloire, Kong règne sur nous et nous lui obéissons aveuglément. Un seul état, un seul roi, le roi Kong. Veuillez nous laisser à présent. Notre roi va devoir se préparer pour son couronnement. Vous avez entendu la reine. Allez, allez-vous-en, vite, vite, vite. J'espère que votre majesté est contente de la façon dont nous la traitons jusque-là. Votre Majesté, ne nous l'envoyez pas. Nous ne faisons que notre travail. Oh, ces gens vont créer votre tenue royale. Oui. Venez. Venez me suivre, Majesté.
Dans les mauves, j'ai sélectionné cette pièce de soie pour une cape apparemment qui sied bien à un roi. Je suggère une danse blanche au col pour le côté mondain, chef. Une fois coupée et drapée, elle habillera le souverain. Il règne, se bat, fait preuve de puissance. Il gère l'État. Avec quelle élégance! Majestueux, il est la de noblesse. Il sait gouverner les gueux, prodiguer ses largesses. Assis sur son trône, il contrôle sa faune. Avec la reine! Avec la reine! Avec la reine! Suprême! Suprême! Vous êtes suprême! Suprême! On bâtit, puis on emporte le vêtement royal. Ôtez-moi ce faux pli! À l'atelier, on va coudre la cape inaugurale. Cousez-la ici! À présent, passez ce pourpoint qui sera la touche finale. Une fois posée et placée, votre allure devient royale. Il règne, se bat, fait preuve de puissance. Il gère l'État. Avec quelle élégance! Majestueux, il est plein de noblesse. La coupe doit être précise, l'habit doit être parfait, la foule doit être conquise, le peuple stupéfait. Assis sur son trône, il contrôle sa faune. Avec la reine. Suprême, suprême, vous êtes suprême. Oui, suprême. Votre suprêmement haute altesse est-elle satisfaite? N'auriez-vous pas oublié de prendre la mesure la plus importante de toutes? Oh, flûte! Oh, mais oui! Mais enfin, aurions-nous perdu la tête? La couronne du roi doit lui aller à la perfection. Oh, il n'y a pas de temps à perdre! Il faut fabriquer une couronne en toute hâte! Le paquet, c'est un vrai traitement royal. Ah ouais, ils lui font le grand jeu, à notre gentil petit copain. Je vais vous prier de me permettre de m'absenter, Majesté. Je dois vérifier certains préparatifs de dernière minute. Mais si Kofi serait à votre entière disposition pour vous satisfaire. Mais où est-il encore passé, ce serpent? Des intrus ont pénétré dans le château. Donnez l'alerte. Nous sommes venus vous mettre en garde. Zila la rebelle a fait de nouveaux adeptes, à ce que je vois. Tous ceux qui savent se faire leur propre opinion se retourneront contre toi, Reptila. Je suis le frère de Kong, et tous ces gens sont mes amis. Son frère? Veuillez me pardonner, mais je trouve cette histoire légèrement difficile à croire. Et moi, je suis le chaman de l'île de Kong. Je sais parfaitement qui tu es, Reptila. Et je sais aussi pourquoi mes ancêtres t'ont chassé de la terre. Ah, je suis sûre qu'un jour, tu finiras effectivement par devenir un vrai chaman, en effet. Mais pour le moment, tu as encore des progrès à faire. Nous allons ramener Kong chez lui. Mais chez lui, c'est ici. Il appartient à ce monde en tant que roi d'Atlantis. Il n'est pas l'esclave d'une poignée d'humains totalement ingrats. Kong, tu ne te rends pas compte qu'ils se servent de toi? Il faut qu'on te sorte de leurs griffes avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi, Majesté. Si ces humains étaient réellement vos amis, comme ils le disent, ils se réjouiraient de vous voir prendre votre place sur ce trône qui vous revient. Au lieu de ça, ils vous donnent des ordres comme à un singe stupide. Il est évident qu'un roi ne saurait accepter ça.
Frangin, il faut qu'on fusionne. Tu verras alors où est la vérité. Vous voyez, c'est de cette façon qu'ils arrivent à vous contrôler. Mais vous êtes un roi, pas un pion. Séquence fusionnement engagée. Kong s'est servi de ses pouvoirs pour t'empêcher de fusionner. Mon propre frère vient de me repousser. Geralt nous avait prévenus. Ce gorille n'est pas le Kong que vous avez connu. Il s'est laissé abuser par les fausses promesses de Reptila. Il n'est pas le véritable roi. À présent, il est notre ennemi. Kong ! Garde ! Veuillez escorter nos invités jusqu'à la surface, qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Ils ne sont pas les bienvenus sur Atlantis. Vous êtes ici chez vous, Majesté, au milieu de vos vrais amis. À présent, veuillez vous reposer, mon roi, pendant que nous préparons votre glorieux couronnement. Non mais dites-donc, c'est pas le chemin qui mène dehors, ça. Effectivement. En réalité, c'est le chemin de la fosse aux esclaves. Ah. Où vous allez devoir tous vivre pour le restant de votre existence. Vous n'aurez plus besoin de ceci. Enfermez-les avec les autres esclaves. Allez, écarte-toi de mon chemin, gros lézard. Pourquoi moi? Attrapez-les, sinon la reine va vous massacrer. Ces filles sont agaçantes. J'ai horreur des misogynes. Relevez-vous, bon sang, ou je vais vous... Allez vite, filons d'ici. Demi-tour. Attrapez-les. Ils sont trop nombreux. Eh ben, je suis vraiment désolé, Zila. J'ai la vague impression qu'on vous a mise dans un sacré pétrin. Dans ce cas, nous allons faire face à notre destin tous les deux. Hein? La moitié de ces pauvres créatures étaient des citoyens de notre île auparavant. Hé, regardez, les amis! Ce ne serait pas Chondar, là-haut? Chondar! Chondar! Je n'y comprends rien. Il se conduit comme s'il ne me connaissait pas. Oui, parce que comme toutes les victimes de la reine, il a subi un lavage de cerveau. C'est de cette façon que Reptila manipule ses loyaux sujets. Elle les contrôle? Exactement. Ce sont les gemmes serties dans son bandeau qui contrôlent tous ses êtres. Ah, qui aurait pu penser qu'Atlantis possédait déjà tout ce savoir-faire? Notre civilisation a existé bien longtemps avant la vôtre. À travers les siècles, notre technologie est devenue plus extraordinaire et aussi plus terrifiante. Mais comment se fait-il qu'une tête de lézard comme la reine ait pu conserver son pouvoir aussi longtemps? Grâce à l'alchimie, Reptila est parvenu à maîtriser l'équilibre entre la science et le surnaturel. La couronne de Kong. La reine va se servir de la couronne pour contrôler son esprit. Il faut aller le prévenir. Allez, poussez pas! Attendez, pitié! Vous n'avez pas le droit! Non!
Dis-moi que la couronne sera prête à temps. Elle le sera, votre grandeur. Tenez, ceci est l'appareil à ADN dont l'humain se sert pour fusionner avec Kong. Il l'appelle le cyberlien. Leur technologie primitive peut être ultérieurement l'objet d'une étude amusante. Mais pour le moment, un seul appareil m'intéresse au plus haut point. Toutes ces magnifiques gemmes sont réservées à un roi. Ou mieux, à l'esclave personnel d'une reine. Je ne tolérerai aucune erreur. Ça fait beaucoup trop longtemps maintenant que j'attends ce moment. Il n'y aura aucune erreur, Majesté. Notre progression vers la liberté ne peut être entravée que par un seul être, Kong. Et c'est ce singe dont je vais très bientôt faire ma marionnette. Montre-moi la surface. D'ici moins d'une heure, la Lune aura complètement terminé son passage devant le Soleil. Et Atlantis aura enfin brisé ses chaînes et quitté sa prison. Sauf bien sûr si quelqu'un tourne l'ancien cadran dans l'autre sens. Ça ne se produira pas. Disparais et assure-toi que la couronne de Kong sera bien terminée pour la cérémonie. Oui, votre magnificence. Je ne vis que pour vous servir. Tu as toute ma gratitude, Kong. Avec ton aide, je vais être en mesure de réduire ton île en poussière et ainsi me venger de l'affront que ton prédécesseur m'a fait subir. À présent, il ne faut plus perdre de temps, Majesté. L'heure est venue de passer votre tenue royale. J'ai l'impression que sa grandeur voudrait rester tout seul pour réfléchir un peu. Ah, tu crois ça? C'est toi qui devrais réfléchir, idiot que tu es. Le couronnement va bientôt commencer. Et si le roi n'est pas prêt, la reine va avoir un nouveau 5 ans pour le serpent dès demain. Luciole, veuillez draper la tenue de cérémonie autour des épaules de notre roi et conduisez-le dans le grand hall. Qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, eh bien, on peut peut-être vous laisser encore une petite minute pour assembler vos pensées. L'histoire est-elle terminée? Ma vie est-elle finie? Sans que j'aie pu connaître l'amitié. J'ai fait ce qui me semblait juste, plein de mes certitudes. Mais sans toi, mon cœur va mourir, lui si robuste. Forte de mon bon droit, j'ai cru pouvoir réussir, mais j'ai tout manqué, je ne peux que me mentir. Entends-tu ma voix? Ressens-tu ma peine? Mon cœur et mon âme sont forts et sache qu'ils te soutiennent. Je n'ai jamais voulu ça, te voir souffrir me détruit. Peut-on devenir amis pour la vie? Au moment où j'ai cru pouvoir tout arranger, à cause de mon orgueil, tout a raté. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pensé qu'à moi. Mais aujourd'hui j'ai peur et je pense à toi. Fort de mon bon droit, j'ai cru pouvoir réussir, mais j'ai tout manqué, je ne peux que me maudire. Oh.
Entends-tu ma voix? Ressens-tu ma peine? Oui, ma peine. Mon cœur et mon âme sont forts et sache qu'ils te soutiennent. Je n'ai jamais voulu ça, te voir souffrir me détruire. Peut-on devenir ami pour la vie? Nous avons traversé tant d'aventures qui nous ont permis de devenir plus mûrs, plus mûrs. Entends-tu ma voix? Ressens-tu ma peine? Mon cœur et mon âme sont forts et sache qu'ils te soutiennent. Je n'ai jamais voulu ça, te voir souffrir me détruit. Peut-on maintenant devenir amis? Oh, Jason. Oh, Lua, je te demande pardon. Non, non, Jason. Tout ce qui arrive est ma faute. J'avais tellement peur d'échouer en tant que chamane que je n'ai pas su voir que j'échouais en tant qu'ami. J'aurais dû être présent quand tu as eu besoin de moi et faire plus attention. Regardez! Regardez ce qui se passe! Ils ont porté la couronne! Dès qu'il l'aura sur la tête, Kong sera sous le contrôle de la reine. Et en attendant, nous, on est coincés dans ce piège à rats. En tout cas, la reine devra combattre pour prendre le pouvoir. Geralt et les rebelles ont prévu d'attaquer. Geralt sait qu'il doit empêcher le couronnement, même si pour cela, il lui faut prendre la citadelle. Si on n'arrive pas à dire la vérité à Kong, il va se ranger du côté de la reine. Et Geralt et tout mon peuple seront anéantis. Oh, on dirait bien que la cérémonie est sur le point de commencer. Oui, et dans quelques minutes, nous aurons perdu Kong. Définitivement. Il est pratiquement à moi. À présent, nous allons couronner notre roi. Si Kong est couronné, c'est la fin pour nous. Sans clé, tout espoir de sortie est perdu. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle tomber à pic. Ah, si tu savais comme on est content de te voir, mon gros nounours. Oh, si seulement j'avais encore mon cyberlien. On dirait qu'il sait où il est. Oh, c'est fantastique! Allez, suivons-le. Arrêtez! Attention, les prisonniers sont en train de s'échapper! Tu ne crois pas si bien dire? Ah oui, et cette fois, personne ne nous arrêtera, ça je te le jure! Ya! Écarte-toi de mon chemin, Dino, la loi! Allez-y, foncez, arrêtez-les vite! Allez, allez! Hey. Mon cyberlien! Merci, mon gros! Ça y est, viens vite! Atlantis, tandis que notre glorieuse nation se réveille pour proclamer sa place de souveraine du monde, Kong est lui aussi revenu parmi nous pour remonter sur son trône. Que la cérémonie du couronnement commence! Ouais. Kong, le
esclave. Tout cela ne doit pas vous inquiéter, Majesté. Ce n'est qu'une poignée de rebelles qui essaient de perturber votre jour de gloire. Nos gardes vont s'occuper d'eux. En avant! Il faut à tout prix qu'on arrive à ouvrir la herse. Non problemo. Oh, allez, en arrière. Jason, il a un comportement très bizarre, cet ours. Reste là, mon petit père. Tu risques ta peau, reste là. Qu'est-ce qu'il fait, l'ourson? Je pense qu'il reconnaît sa mère. Sauf qu'elle, elle ne le reconnaît pas. Le bandeau qu'elle a contrôle son cerveau. Oh. Oh, bon sang, il faut que je le sauve. Attention! Oh. Dépêche-toi, Azila. Profites-en pour ouvrir la herse. Tiens bon, Dan. Jason! Kong! Arrêtez! Vous ne... Kong, il est de votre devoir de prendre votre place en tant que roi. Jason! Espèce de sale ver de terre! Je ne fais que protéger votre patrimoine, moi! Va chercher mes vraies armes, dépêche-toi! Pour le cas où le choix de Kong ne serait pas le bon. Kong, il faut que vous anéantissiez tous nos ennemis. Kong, tu sais que moi je ne t'ai jamais menti. La reine a l'intention de détruire ton île et nous tous! C'est moi qui donne les ordres. Ou bien tu les écrases, ou bien c'est toi qui seras écrasé. Essayeriez-vous de changer le cours des choses? Ouais, je savais bien que tu ne nous laisserais jamais tomber. Mais qu'est-ce que tu fais? On bat en retraite. Quand? Kong est avec nous! En avant! Allez, venez!
avec Kong de notre côté, les gars. Ça m'étonnerait que vous ayez le dessus. Oh, l'éclipse doit pratiquement être terminée. D'ici peu, Atlantis va ressurgir des profondeurs, détruisant totalement l'île de Kong. T'en fais pas, Lua. Avec Kong dans notre équipe, il reste un espoir. Rendez-vous maintenant, ou vous allez comprendre ce qu'est ma véritable colère. Ah non, non, mais elle rêve, cette pauvre fille. Eh oh, c'est nous qui gagnons, là. C'est votre dernière chance, Kong. Ou vous m'obéissez, ou bien vous mourrez avec les rebelles. Ils se sont tous trompés. Vous êtes exactement comme l'ancien Kong. Vous êtes courageux jusqu'à la mort. Kong en a vu d'autres. Derrière toi, attention! Le pauvre, il ne sait plus où il en est. Kong, laisse-moi entrer, je t'en prie! Empêchez-le de faire ça, vite! C'est maintenant ou jamais! Séquence fusionnement engagée. Nous aussi, on s'y connaît un peu en technologie. Eh oui, c'est le cyberlien. Dépêchez-vous, l'éclipse va se terminer! Jusque-là, je vous ai laissé vous amuser. Mais maintenant, les choses vont changer, je vais m'énerver. J'ai l'impression qu'elle n'a plus du tout envie de rigoler. Même avec sa puissance, Kong n'arrivera pas à faire face. Oui, sauf que la reine vient de faire la méga boulette de sa vie. Bravo, mon gros, t'avais des réserves et tu grandis encore. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est impossible. On n'a jamais trop bien compris comment ça se passait, mais quand Jason et Kong se mettent en phase, on obtient le méga Kong. T'es sympa, tu me fais penser à éviter de les mettre en colère. Trop tard. La victoire est à moi. Ah, Atlantis est enfin libéré. Sonnez la retraite. Mon contrôle. Mon appareil de contrôle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Ça y est, ça me revient, oui. Oui, je me souviens de vous. Je vous hais, espèce de sale sorcière. Garde! Au secours! À moi! Vite, Kong! Il ne reste presque plus de temps! Jason, arrête! Écoute-moi! Le cadran! Il faut que Kong aille tourner le cadran solaire! Ah!
tu vois, hein, je t'ai dit qu'il fallait travailler le processus de désengagement. Il faut que Kong se rende au temple. Qu'il y aille, notre roi a su nous donner la victoire. Nous, on va contenir ceux qui sont restés fidèles à Reptila. Lua, Kong et toi, foncez au temple. Viens vite, Kong. L'éclipse est presque terminée. Il faut que tu lui fasses faire un tour complet. Il va être trop tard. Non, tu y es arrivé, Kong. Oui, mais est-ce qu'on était dans les temps? Dépêchez-vous! Vite! Tout va s'effondrer! Dépêche-toi! Un petit coup de main, ce serait gentil! Il faut sauver d'ici! Ou vous resterez prisonnier ici, comme tout ce qui appartient à Atlantis. Elle a raison, Tan. Il faut y aller. Hey, viens avec moi, Zila. Je t'en prie. J'aimerais bien, mais je dois rester ici, aux côtés de Geralt et de mon peuple, pour continuer à lutter contre la reine. Oui, je comprends. Dans ce cas, je reste et je me barre à tes côtés. Non, Tan. Tu appartiens à ton propre monde, avec Kong et avec tes amis. Un jour, peut-être, serons-nous à nouveau réunis. Tan! C'est maintenant ou jamais! C'est la séparation la plus douloureuse que j'ai jamais eue à vivre. Oh! Adieu, mon courageux guerrier! Attention, Zila! Waouh! Ah! Oh non, non! Ah non, ça va pas recommencer! Ça y est, maintenant filons, nos vies sont en danger! Oui. Au revoir, mon petit père. Ah, le câlin d'un ours, ça a quelque chose de viril. Il va me manquer, ce petit bonhomme. Eh oui, c'est le deuxième ami que je perds en une seule journée. Rassure-toi, les vrais amis, on ne les perd jamais vraiment, Tan. Kong! Oh, je suis désolée de mon attitude. Je te demande pardon. Tu sauras me pardonner. Je te remercie, mon ami. Eh ben, tu vois, ça a peut-être été pénible. Mais ces difficultés nous ont fait mûrir. Oui, enfin, vous deux, c'est certain. Hein, c'est déjà ça. Oui, mais mon frère aussi. Kong a appris qu'il n'avait pas à prouver à qui que ce soit qui il est, si ce n'est Kong. Il sait maintenant qu'il est déjà un roi.
le roi de l'île de Kong.